Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 20 août 2024. Nous comptons rentrer la caillou. C'est toujours un plaisir pour nous informer. À la une de l'actualité, département du Trésor américain sanctionné ancien président haïtien Michel Joseph Martelly pour trafic de drogue. Martelly, ce n'est pas seul monde qui sanctionné. Il y a également des proches anciens présidents qui ont même tombé en bas sanction. Nous prenons le plus de détails dans yon petit moment. Yon l'autre bord, nous gagnons policiers kenyan yo même qui exigeaient plus pouvoir par bon côté l'État haïtien. Dans ce sens, gagnons Richard Touta qui lui-même son expérience sécurité dans le pays Kenya qui était quoi? C'est un pile sacrifice policiers kenyan yo a fait en Haïti, yo mérité pour yo traiter yo bien. Nous prenons le bout de détails puisque déjà gagnons liste. Avantage à privilège que autorité kenyan yo même yo partagé nous supposé qu'on est qui sac la dans n'a fon coup de pied sous frontière wana metlan côté président Abinader nan moment là gagné bagay ka fait gagné des grandes décisions ka prend par bon côté acteur haïtien yo et bien gouvernement dominicain yo pat attend yo ak sa ka passé nan marché frontalier haïtien nous pote vidéo pour vous pral gagné tout détail yo nan yon ti moment. Yon lot bon, c'est nouvelle révocation commissaire Wadson Azor qui rive joine moun okoto qui rive joine peuple Tiburon. On pa kache di nou, gen an pile frustration, an pile moun fâché parce que jeune commissaire gouvernement ça, eh bien, nan juridiction l'étape évolue ya, moun yote considéré comme un deuxième commissaire muscadin. C'est autant de formations nous pral partager avec une émission aujourd'hui. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification comme ça ou prêter connecté avec nous ou pas rater aucun dans vidéo d'information n'a pas gagné pour nous poster. Je m'annonce le commencement émission et eh bien ça c'est un communiqué de presse qui sorti dans le ministère du Trésor, dans le département du Trésor et américain, en côté, ancien président Michel Joseph Martelly lui-même, lui tombé en bas sanction pour question trafic stupéfiant, trafic drogue, type de blanche. Non, ouais, qui ça? Eh bien, matin, bonheur, bonheur, Washington, m'a pli pour nous, m'a banou lecture et de ça qui dit dans communiqué si là. Aujourd'hui, le bureau de contrôle des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain a sanctionné l'ancien président d'Haïti Michel Joseph Martelly conformément au décret exécutif 14059 du 15 décembre 2021. Imposant des sanctions aux personnes étrangères impliquées dans le commerce mondial de drogue illicite. L'action d'aujourd'hui contre Martelly souligne le rôle important et déstabilisateur que lui et d'autres élites politiques corrompues ont joué dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti, a déclaré le sous-secrétaire par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier Bradley Smith. Les États-Unis ainsi que leurs partenaires internationaux sont déterminés à perturber ce qui facilite le trafic de drogue, la corruption et d'autres activités illicites qui alimentent la violence horrible des gangs et l'instabilité politique. L'existence d'activités de gangs et de violations des droits de l'homme à grande échelle en Haïti crée un environnement propice au trafic de drogue. Et le pays est un point de transit pour les drogues illicites entrant aux États-Unis. Faut moi dit nous lancer et ça c'est petit communiqué à mettre pour nous mais m'a ba nous lecture. OK, on nous continue. Aux États-Unis, de nombreuses élites politiques et commerciales d'Haïti sont depuis longtemps impliquées dans le trafic de drogue et ont été liées aux gangs responsables de la violence qui a déstabilisé Haïti. Les États-Unis sont déterminés à promouvoir la responsabilisation et à tracer un avenir plus prospère, démocratique et sûr pour les citoyens haïtiens. Martelly a abusé de son influence pour faciliter le trafic de drogue,
dangereuses, notamment de cocaïne à destination des États-Unis. De plus, Martelly s'est livré au blanchiment de produits de la drogue illicite, a travaillé avec des trafiquants de drogue haïtiens et a parrainé plusieurs gangs basés en Haïti. Est-ce que vous entendez? Yo dit que Martelly livré, Martelly fait drogue rentrer États-Unis, Martelly livré non blanchi l'argent drogue, Martelly travaille avec trafiquants drogue haïtien et Martelly c'est parrain plusieurs groupes gang en Haïti. Martelly yo t'est déjà sanctionné, Martelly t'est déjà fait objet de sanctions de pays Canada le 17 novembre 2022. Eh bien, Martelly a été sanctionné aujourd'hui en vertu du décret 14059 pour avoir participé ou tenté de participer à des activités ou des transactions qui ont contribué de manière significative ou présentant un risque significatif à la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production. Avè di Martelly li participe nan trafic drogue ou bien li participe nan vann. N ap kontinye. Les sanctions d'aujourd'hui imposent plusieurs interdictions liées à Martelly. Et l'OFAC a ajouté Martelly à la liste des sanctions non basées sur le menu SDN. L'OFAC a travaillé en étroite collaboration avec la DIA sur cette mesure de sanction. Ça veut dire, tout ouvri Martelly a pour ricol, monte descend États-Unis, fait bal, et yo pa kabarel, Martelly te déjà fait objet de yon enquête DIA. Conséquence sanction sa yo pral genye. À la suite de cette action, l'OFAC impose les interdictions suivantes décrites dans la section 2 du décret. 1. Mes sanctions qui tombaient sous au bois tête ancien président Michel Joseph Martelly. 1. Il est interdit aux institutions financières américaines d'accorder des prêts ou des crédits à Martelly. 2. Toute transaction de change soumise à la juridiction des États-Unis et dans laquelle Martelly a un intérêt est interdite. 3. Il est interdit aux personnes américaines d'investir ou d'acheter des quantités importantes d'instruments, de capitaux propres ou de dettes de Martelly. Les citoyens américains peuvent être passibles de sanctions civiles ou pénales en cas de violation du décret. Il est également interdit aux citoyens non américains de provoquer ou de conspirer pour provoquer la violation intentionnelle et ou non des sanctions américaines par des citoyens américains, ainsi que de se livrer à des activités qui échappent aux sanctions, etc. Et OK. Et la puissance et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité à sanctionner des personnes, mais également de sa volonté de lever des sanctions. Oh, avant de parler côté gain arrestation, t'allais. Yo ba un but. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'apporter un changement positif de comportement. Non. Ça non. Qu'est-ce que les États-Unis veulent faire, vous comprenez là? Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'apporter un changement positif de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de retrait d'une liste OFAC, y compris de la liste. Non. Département du Trésor américain a annoncé au sanctionné Martelly. Mais nos sanctions, tout ça yon fin dit, qui prend comme mesure, décision que le département trésor américain prend pour sanctionner Martelly, objectif sanction ça, c'est pour faire moun yon changer de comportement, mais le pas gagner rien pour yon avec ou quelconque arrestation, pour mettre hors d'état de nuire, pour le pas continuer dans même ligne. Non. Parce que yon pile compatriote, yon pile zami qui tapton que sanction ça yon, yo ka abouti avec yo quelconque arrestation parce que si ou participe nan trafic illicite de stupéfiants de drogue qui sont crime en Haïti, vendre stupéfiants, trafiquer stupéfiants,
son crimier, mais pour les départements du Trésor américain sanctionner yon moun, li dou but ultime sanction, c'est pour yon faire moun yon changer le comportement. Eh bien, qui est organe dans le pays États-Unis qui a intervenu, les gens yon pareil crime qui fait pour yon arrêter moun nan, pour yon mettre moun nan hors d'état de nuire? Parce que comme songe, gen des présidents étrangers, des anciens présidents étrangers, que d'yé, yo même te débarqué, arrêté à avec yo. Alors que moun sa yo, non premier temps yo te fait objet de sanction. Donc est-ce que ça pral prend temps après département du Trésor américain fin sanctionné ancien président? Est-ce que ça pral prend temps après pour d'yé intervenu pour ta gagné des arrestations qui fait dans quatre dossiers ça et suite avec sanction ça sa yo qui baille? Donc, qui ça, qui message véritable États-Unis voulait faire passer? Qui message tout bon département du Trésor américain voulait faire passer? Est-ce que sanction ça, c'est pour montrer quelque part États-Unis préoccupé par ça qui a passé en Haïti? Parce que, pas oublier, non, communiqué de presse, il a dit, Martelly, li participé, non fait stupéfiant, non fait droit rentrer États-Unis. Martelly allié là avec des trafiquants de drogue haïtiens. Martelly parrainé, Martelly c'est parrain plusieurs groupes gang en Haïti. Et puis pour nous dire en bas, là nous fin raconter toute quantité parole ça yo et puis en bas yo dit le but ultime de ces sanctions c'est pour pousser moun qui sanctionné à changer de comportement. Donc qui ça nous ka attend nous véritablement dans communiquer si là qui ça nous attend nous par bon côté États-Unis suite avec sanction ça qui prend et pas oublier Martelly c'est pas premier monde qui en bas sanction non qui en bas sanction département du Trésor américain ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte en bas sanction jusqu'à présent il est en liberté gay ancien sénateur Yuri La Tortue qui en bas sanction département du Trésor américain jusqu'à présent ils ont en liberté. Donc est-ce que sanction ça yo mesure ça yo et d'ailleurs nous pas ouais non communiqué a sanction ça yo dit que quelque part yo ka non seulement mette moun dans les liens de la détention que ce soit pour yo ta arrêter ou bien pour yo ta expulser pas gen bagaille comme ça qui dit. Donc si yo pas dit est-ce que nous même nous ka ajouter pour yo nous ka dit pour yo non. Parce que son communiqué qui sorti, qui dit mais qui mesure, qui prend, mais qui ça qui baille comme sanction, et après yon pral dou, mais qui porte sanction ça yon gagne. Donc là, on a compris dans la démarche que le département du Trésor américain et yon a fait là, et c'est yon koné, mais et politiquement parlant, est-ce que même j'en avec ancien sénateur Yuri La Tortue, même j'en avec ancien sénateur Joseph Lambert, même j'en avec un paquet l'autre acteur politique haïtien qui sanctionné par les États-Unis et le Canada, est-ce que nous ka attend nous que Martelly yo pral rentrer dans même liste cadavre politique ça yo? Parce que pas oublier, gen élection k'a préparé en Haïti. Gen question électorale k'a préparé en Haïti. Donc moi-même toujours dit, d'autant c'est pas la justice en Haïti qui trace des exemples. D'autant c'est pas justice en Haïti qui sanctionne, qui condamne, qui punit, eh bien, pas étonné, nous ensemble de décisions qu'a pris, nous ensemble de décisions, nous, ouais, acteurs, pas bon, ici, tu yo même, yo tombé en bas sanctions, ça, yo des sanctions américaines ou bien canadiennes, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, oui, sanctions, ça, yo, pas gain aucune incidence en Haïti, vraiment. Parce que nèg yo te sanctionné, yo di ki nan drogue, ki se parrain, ka finance drogue, ka finance gang, etc. Eh bien, jusqu'à présent, au lieu pour insécurité à ta baisse après sanctionné sa yo, nou wè se volume insécurité a ki augmenté. Ça veut dire quelque part, si c'est pas nous même qui sanctionné yo, nou ka toujours content bat bravo lè nou wè sanction ap sorti dans l'autre pays, yo pas servi à grande chose. Parce que par une gang en bas sanction, moun ki kon nan finance gang, oligarque corrompu en bas sanction, gang yo pi puissant, gang yo pi féroce, gang yo apetan tentacule yo, gang yo pi violent.
compatriotes haïtiens frères chèm calé genou. Gade de l'eau sucrée États-Unis a vinn pote ba nou. Gade de l'eau sucrée que nèg yo a vinn pote ba nou d'autant nous pa wè ces actions qui fait. Eh bien n'a vè en bas. Oui, gen sanction qui baille et après. Et après. Parce que question sanction pour changer comportement ça, nous même nous pas prendre nana pour 6 ans. Nous pas prendre nana pour 6 ans. Donc l'important pour nous ta font un petit fourni j'ai gardé oui. Alfonti Founi j'ai gardé monter sous site département du trésor américain hein? Et puis taper Martelly et puis n'a point article yo a ba nous communiquer de presse et puis sous parler anglais on comprendre tout anglais li en anglais ou bien traduit document pour comprendre pi bien ça qui dit là-dedans li donc mais causer à compatriote moi n'avancer pas gain camper. Nous gagnons et Premier ministre Gary Conille, nous gagnons également Conseil présidentiel transition. Dans un moment là, c'est décision sous décision qui prend par bon côté acteur. On nous va regarder ensemble avec moi qui ça qui dit, qui ça qui prend comme décision par bon côté ministère de la Justice. Nous gagnons gouvernement et Gary Conille. Yon l'autre fois encore, ils ont décidé prolonger état d'urgence sécuritaire là. Et là n'a parlé de état d'urgence sécuritaire non situation tant pour Jean Haïti est là non situation côté que ancien président les officiels de l'état c'est yok parrain gang c'est yok patron gang c'est yok boss gang donc n'a déjà comprendre résoudre problème insécurité ah c'est pas un bagage qui a aussi facile c'est pas un bagage qui a easy mais ça pas empêcher que gouvernement qui l'a, équipe qui l'a, yo décidé tant bien que mal pour prendre des décisions. OK? Parmi décisions ça yo, depuis mois juin qui s'est passé a te gen état d'urgence qui était instauré sous deux départements, département l'Ouest et département l'Artibonite. Eh bien, hier gagné deux autres départements qui ajouté. Et nous gagné département Centre et nous gagné département Nip. Le ajoute département de NIP, automatiquement, gen an pile question kap pose, ki sa gen an NIP? Nou konnen bataille commissaire Muscadet a fait nan NIP, nan juridiction NIP la, nan département NIP la, surtout nan juridiction PAL la ki se Miragwan, nou konnen bataille kap mene, comment ça se fait nan état de sécurité la pou yon foure NIP? Est-ce que nèg yo, c'est autant de question kap pose, est-ce que nèg yo yo gen yen yo anticipé que gon bagay ki pral passer dans juridiction ni plan surtout les te gen en pile rumeur qui t'a circulé que bandi yo vle contrôler et vle font pote bourré sous Muscadet. Est-ce que yo gen des informations qui dit ni pas danger ou bien est-ce que gouvernement vle isoler département ni plan ou bien nèg yo gagné en prévision gen en perspective pour yo font l'autre bagay de département ni. Parce que, journée aujourd'hui, on parle de l'état de sécurité pour Haïti, parler de l'insécurité, c'est tout pays d'Haïti, c'est tout pays qui a subi, qui a vécu de l'insécurité, qui a subi de l'insécurité. Donc, en plus, le monde n'a pas comprendre ce qui a passé, décision ça a pris. Eh bien, je n'ai pas constaté là, dans le communiqué ça qui porte si en tuyau, ministre justice, dans le circule, eh bien, gagné département Centre, département NIP, avec. Et arrondissement Plaisance à Klembe qui également fait partie de département de arrondissement qui couvre qui en bas état d'urgence sécuritaire là. Kounya c'est pas seulement considéré que gen un état d'urgence sécuritaire qui instauré qui décrété. Mais état d'urgence sécuritaire ça li traîne derrière un paquet de privilèges que le bail autorité l'état yo. Que le bail ministre justice, que le bail et premier ministre. Parce que nous avons une situation d'urgence. C'est ça qui fait le état d'urgence. Si il y a urgence, il y a des procédures dans le temps normal qui t'a supposé respecter, qui t'a supposé, par exemple, 10 jours, 15 jours, et 1 mois, 8 jours. Eh bien, vu que il y a urgence, eh bien, il y a une procédure célère. Le a parlé de célérité, ça veut dire ou est rapidité, ou est marché pressé, ou est reprendre, ou est en vitesse grand V. Eh bien, dans le cadre d'état d'urgence sécuritaire, ça, compatriotes,
Eh bien, ministre justice, M. Carlos Hercule, ministère de la Justice, bénéficiait d'un paquet d'avantages, d'un paquet de privilèges. Tant que par exemple, yo bay prérogative avec autorité yo dans cadre état d'urgence sécuritaire là pour yo bénéficier de célérité qui gagnait par bon côté procédure administrative yo pour yo décaisser l'argent pour yo faire réaffectation budgétaire parce que tout budget qui montait si yo affecté par exemple 100 goud pour investissement dans le ministère de la justice ou pas qu'à prendre 100 goud là pour dire ou pral acheter machine ou pral payer manger ou pral réaffecter avec un autre bagaille n'empêche que pour gagner réaffectation qui fait faut qu'il fait de manière légale faut gagner aval faut gagner approbation toute institution qui yo même impliqué dans question budget a. Eh bien, dans cas d'état d'urgence situation état d'urgence sécurité en nous là, eh bien gon certaine liberté qui gagne par bon côté autorité yo, par bon côté ministère de la justice, par bon côté la police, par bon côté CSPN. Dans cas d'état d'urgence sécurité ça, eh bien gen possibilité pour autorité yo faire réaffectation budgétaire. Gagne possibilité également pour autorité concernée yo moun ki a pran décision nan cas d'état d'urgence sécuritaire là pour yo pran toute disposition ki pour yo pran toute disposition que travail yo a mené que bataille yo a mené ou bien que opération yo a mené nécessité pour yo joindre équipement matériel qui approprié et ça yo vle acheter ça yo vle louer etc pour yo mettre à la disposition yo pour yo répondre avec besoin de sécurité ya. Donc toute liberté ça qui baille pour réaffectation pour yo faire et pour yo prendre ensemble de mesures là et bien il y a pile monde qui dit bon si nan cas d'état d'urgence sécurité là gagne toute l'attitude ça yo ba avec ministre yo ba avec ministre justice yo ba premier ministre avec et DG la police et si nèg yo nous connaît dans qui pays nous yé surtout ça konn passé dans période intempérieux leur konn gagne tremblement de terre ou bien et cyclone j'en nèg yo konn gakote l'argent état d'urgence sécurité état d'urgence yo j'en nèg yo konn détourner l'argent voler l'argent est-ce que nèg yo pa pral utiliser même stratégie yo pour yo détourner l'argent voler l'argent on pas ka répondre pour l'interrogation parce que m pa konnen si nèg yo et yo gen sa nan agenda yo gen sa nan plan yo pour yo profiter de situation difficile que n'ap traversé la pour yo ta pran cob et service de renseignement pour yo ta pran cob la police pour yo régler l'autre bagarre avec lui mais yo ta supposé nan moment gen possibilité jouen moyen à la disposition yo pour yo tout profiter acheter matériel que yo t'a besoin pour yo mettre au service de policiers yo au service de population qui pour aider au combat insécurité en puis bien est-ce que gen volonté pour ça malgré nous té wè nan budget rectificatif là deuxième ministère qui gen plus l'argent c'est ministère justice sécurité publique est-ce que yo pral prend l'argent pour yo utiliser pendant état d'urgence sécuritaire là pour bay population résultat point d'interrogation mais m'di nous exactement ça qui projeté ça yo ta supposé faire dans cas d'état d'urgence sécuritaire là est-ce que yo a fait m'pa ka di nous est-ce que yo gen volonté pour faire tout m'pa connaît mais si nous ta mandé bilan yo mois état d'urgence qui saute passé à là qui ça yo fait qui opération qui mené qui résultat qui bay en vérité compatriotes moi yo c'est zéro barre n'ta mettre pour yo c'est zéro barre n'ta mettre pour tête matos ça yo parce que nous pas ouais qui ça et de manière concrète qui bay comme résultat qui porter comme résultat dans cas d'état d'urgence sécuritaire qui saute passé et de juin à juillet kounia yo prend de juillet de juillet à août et de août à septembre. C'est pas en juin 1er a été décrété instauré, c'était en juillet, 19 juillet, 19 août, 19 août, 19 septembre. Donc j'ai l'impression c'est moi plus à veiller qui le mois privé et pour continuer avec état d'urgence. Donc et là pas dit non pas connaît que ministre justice il gagne tout pouvoir dans mel. Déjà la police gagne tout pouvoir dans mel. Donc si nèg pas bay résultat
si nèg yo pa rive et résoudre ça nous gen là comme situation comme violence gang comme violence criminelle en dedans pays hein? Et c'est parce que tout simplement nèg yo pa gen volonté mais si c'est pouvoir que l'argent yo gen tout pouvoir nan men yo gen tout cob yo nan men yo ka fè ça yo vle avec budget avec fonds qui disponible dans le ministère de la justice et même coup de bâton pour la police donc que nèg yo assume responsabilité yo pour bail population résultat parce que nous-mêmes ces résultats n'attend c'est pas parler en pile nous besoin OK c'est résultat n'attend et étant donné Kenya Lila c'est pour te vinn ba en coup mais non ça qui gain pour avec question et sécurité pays hein? Eh bien, pendant passage policier Kenya, ou bien pendant présence policier Kenya, yo la, genye et lobby mwen ka fèt pou yo, la kayo, ok? La kayo, se wololoy. Parce que Kenya yo tellement senti yo gen pouvoir, yo gen pouvoir trop, men koun ya yo mande pou yo augmente sou pouvoir yo. Nou tande koze? Nou tande koze? Ok. J'en ap constate la, eh bien, pour ça, li soti droit direct nan pays Kenya. Côté déjà nous te connais te gon deal te gon accord qui te signé entre l'état haïtien avec autorité kenyane yo et bien policier kenyan yo qui déployé dans cadre mission sécurité Nations Unies en Haïti et bien yo pas ka poursuivre yo pour quelque soit mauvaise conduite yo ta gagné en Haïti c'est ça le Star Kenyan lui même li rapporté mais ça qui intéresse nous c'est petit tableau qui gagné en esquisse qui gagné esquisse de quantité privilège ou bien avantage que policier kenyan yo même yo a joué en Haïti là et n'a pas gardé un total de 9. Eh bien, on pas caché di nou et 9 là pas suffit pour yo parce que yo a exigé plus toujours. Yo a exigé plus gagne un expert et kenyan qui travaille de concert avec ministère défense dans pays Kenya qui pote non Richard Touta. Eh bien, lui-même, il était quoi pour Jean policier Kenya, il a sacrifié vie en Haïti et quitté la caillou, quitté madame, yo petite yo, vinn ba Haïti en coûte mais vinn rétablir sécurité et Jean Kenya, il a bien travaillé. Oh oui, il a fait éloge, dit Kenya a bien travaillé, il a bien passé. Kenya yo récupéré pigo l'hôpital paysan, Kenya yo récupéré et aéroport, Kenya yo récupéré port, c'est wololo, il s'est bat bravo pour Kenya. Oh oui, c'est comme ça y a parlé de Kenya. Nous même qui là et n'a pas mandé vers elle qui joue qui moi. Bagay ça t'est fait, nous pouvons jamais qu'a une réponse. Eh bien, 9 pouvoirs, 9 avantages ça que Kenya yo gagné, on dit que pas suffit. N'a pas gardé premier avantage que Kenya yo bénéficié. Pas aucune inspection qui fait le personnel kenyan yo rentré en Haïti. Donc yo pas inspecté ni le yo fait rentrer ni pendant yo là dans pays yo pas et yo pas fait inspection. Deuxième avantage que kenyan yo bénéficie en Haïti, eh bien yo exonéré yo de tout yo exonéré yo de tout impôt sur le revenu. OK? Yo pas payé aucun impôt sur le revenu alors que yo en Haïti. Yo a payé en Haïti, ou ta supposé contribuer dans budget à tout. Même gens haïtiens yo et zanmi nan diaspora yo pour $1.50 sou yo. Haïtien qu'en Haïti, même on sur être acheter ou payer taxe sou li. Ou monte en camionnette ou payer taxe sou li. Ou achete un gallon gaz ou payer taxe sou li. Tout sauf fait dans pays yo payer taxe, eh bien yo même yo pas gen question taxe pour yo. Yo pas nan question impôt sur le revenu. Pas gen bagaille comme ça. Et troisième bagaille, eh bien, yo fè yon défiscalisation pour yo sou tout ça yo acheté en Haïti et service yo acheté en Haïti bien à la consommation yo acheté en Haïti. Nou ka remarqué me dit bien à la consommation parce que yo interdit constitution loi yo interdit que étranger gen acheter bien immobilier en Haïti pour acheter terre en Haïti. Yo interdit ça donc n'a prêté dans cadre bien la consommation yo pa paye yo pa nan paye tax sou ba isa yo. Quatrième avantage et depuis yo bénéficie en immunité sous tout ça qui gen pour avec et zak qui fait nan exercice et mission tout ça qui passe nan cadre mission et bien yo couvri par immunité. En cinquième position et bien toute activité tout crime que yo ta reproché yon policier kenyan, eh bien, si yon ta gon kote pou yon ta poursuivre li, c'est dans pays le Kenya. Sixième
Sixième avantage aux bénéficiaires, eh bien, une exonération sous tout équipement, sous toute importation d'équipement. Y a une franchise, ok? Y a une franchise douanière sous tout équipement qu'il a importé. Septième avantage, eh bien, Mission Kenya, toute opération financière Mission Kenya, eh bien, y a pas qu'à faire objet de contrôle en Haïti. Ça veut dire, même lorsque t'attendais au dire corruption dans le dossier Kenya en Haïti, nous pas qu'à poursuivre. Nous pas qu'à poursuivre. ULCC pas qu'à enquêter. Puis CREF pas qu'à enquêter. Institution financière nous y a pas qu'à enquêter. Y a pas qu'à faire un lien dans le cadre dossier ci là. Ok? Donc pas dit nous pas de compte. Et huitième avantage aux bénéficiaires, c'est que gagner des couloirs douaniers temporaires que gouvernement yo même yo mettez campé yo facilité yo des avantages et neuvième bagarre yo ka mettez campé propre station radio yo en dépit de tout privilège ça que Kenya yo bénéficie en Haïti eh bien Richard tout à ça m'pa caché dit nous et citoyen li déclaré voilà n'a regardé là eh bien monsieur a déclaré que policiers kenyan yo pa jwenn assez. Yo supposé joindre plus, yo supposé bénéficier plus et dans sens ça, yo a regardé comment pour parler yo ka continuer avec autorité haïtienne yo pour policiers kenyan yo bénéficier plus bagay toujours, plus avantage, plus privilège toujours. Donc tellement bagay yo son pia lié, comprenez? Yo prend haïtien pour un savane, un groupe policier kenyan vini là depuis plusieurs mois. Yo vini soi-disant pour yo te vini aider nous. Jusqu'à présent, nous pouvons voir qui ça aide, qui ça le porte comme résultat, qui ça le baille comme résultat. Nous gagnons grand sud pays qui toujours bloqué. Nous gagnons rentrée nord pays. Je ne veux dire pas qu'en toute liberté pour passer Canada. Nous gagnons bandits. Yo prend contrôle net aller. Yo prend contrôle la Tibonite. Nous gè bandi Tibouadom, nous gè bandi Kokorat sans race, nous gè bandi XYZ et ça pi grave là. Autorité l'état nan kole bouda gang. Ancien président c'est parrain gang. Yo nan bay gang tété etc. Et puis journée jodi an là, nous gon paquet touristes qui vini, nous pa ki sa yo fè et puis yo besoin plus avantage. Yo besoin plus pouvoir, yo besoin plus latitude parce que yo kite kayo. Et puis ça qui grave là. Yo là, oui, yo pa reglon, hein? Yo pa reglon merde, y a touché plus l'argent encore que policier nous yo. Cause yo en pile. Bon, nous gagnons message pour Premier ministre Garry Conille. Message ça nous gagnons pour Premier ministre Garry Conille. Nous pral partager li. Et mais avant nous rentrer dans dossier Garry Conille, nous gagnons update sous dossier de journalistes yo. Banat Daniel avec l'autre journaliste que la police t'a arrêté. Donc il y a un update dans dossier ça parce que moi dossier ça vraiment qui est actualité hein. Qui est actualité oui. Et mon yo dit oh, abatte que journaliste gang tout. Oh bon. T'es chargé. Et ça, connait pas connait. En tout cas, on va attendre qui explication porte-parole la police, Michel Ange Jeune, lui-même, il t'a baillé dans le cadre dossier ci-là. En allant. La police a fait l'arrestation, c'est parce qu'en fait, il y a un journaliste impliqué dans une opération de police et que, a priori, le journaliste serait lié à un évadé et à des gangs. Monsieur Lujeune, la question est claire. Naptan, réponse à pour pays. Merci. Et Gary, et la police, dans le cadre d'une opération que le menait jeudi dernier, et il était une filature qu'il a fait par rapport à des données, par rapport à des informations qu'il était dans main et qui menait dans un cadre d'opération ça et qui bail résultat ouais que la police présentait tout récemment. Leur unité spécialisée était sortie au prend la rue, il ont pas de permission à l'arrêter un journaliste. Il n'y a pas de information, il y a un journaliste qui est après l'arrêté, qui a gagné un bagage qui est illégal dans le mail. Cependant, dans le cadre de travail de la police, il a arrêté deux individus qui étaient lourdement armés, du nom de Banat Daniel et Richelson Sénéjus, et ils ont joint des armes illégales en possession de M. Sayo,
et monsieur Saoto t'a circulé à bord d'une machine plaque service de l'État et avec des armes illégales dans mes yo et yo t'ai joint arrestation yo par la suite. Enquête a mené, yo joine badge la presse dans commission yo et yo même a bouche yo yo avoué que c'est journaliste yo yé et yo dit dans qui média que y a travaillé. Voilà pour la preuve. Ou dit yo te joine zam nan men yo ou du moins se joine zam nan machine que yo te ya. Nan machine que yo te ye ya. Que yo même yo t'a conduit que yo te ye ya. Yo te ye. OK. Bon, me dit yo. Si Fritzner Lebrun, un zami ban mou rou libre et que yo joine zam nan machine Fritzner Lebrun et que m'chita la donne, est-ce que ça veut dire ou joine zam illégal nan même? Ça, moi, d'où qui ça la police fait, moi, d'où que yo joigne Daniel Banat avec Michel, avec Sénéjuste, yo deux ya, yo nan machine, et yo gen plusieurs armes illégales nan men yo nan machine, nan yo deux ya. Ça, c'est le travail de la police. Et la police a fait son travail. Maintenant, ces deux messieurs vont être acheminés par devant les autorités de droit, et c'est eux-mêmes qui appelé à dire le droit. Est-ce qu'ils ont avoué permettre-moi c'est pour eux ou du moins est-ce que expliquer à DCPJ qui j'ai offert de machine nan, et qui j'ai zam ça offert de machine nan, est-ce que zam ça est pour eux ou du moins est-ce que zam ça c'est pour l'autre monde? Justement, ça c'est enquête capral de tout ça yo, mais un fait est certain, c'est qu'ils ont été pris en flagrant délit avec des armes illégales. Voilà. Okay. Des armes parmi eux, oui, parce que ils ont physiquement changé la donne, bien sûr. Maintenant, voilà. Autre question. Oui, Scoop, oui. Est-ce que opération arrestation ça a fait avec Negio pendant une machine, non? Ou du moins, c'est pendant un hôtel envahi et qui ça fait au même, il va mourir? C'est à ma possession. Très bien. Arrestation de M. Zahou pas faite en dans hôtel là. Mais arrestation de M. Zahou faite dans périmètre, zone d'intervention, la police là. Scoop. Et monsieur Sao ni 13 autres moun yo arrêté alors ni 11 autres moun yo arrêté dans cadre opération ça pas mouri parce que la police pas de mission pour te tuer. La police pas jamais gain mission pour le tuer. Tout monde qui obtempéré à l'ordre que la police baille. La police rive sur place, yon moun armé li estimé ou l'ordre pour déposer les armes ou pas déposer les armes ou échanger coup de balle avec la police, donc possibilité pour mourir li existait et c'est ça qui arrivait pour sec et l'autre monsieur le bandit qui tombé yo et 13 moun qui arrêté yo, c'est 13 moun malgré que nan yo qui était armé mais qui tendait que la police intimé yo l'ordre, la police rive maîtrisé yo puisque objectif là c'est pas d'abord pour tuer, c'est d'abord arrêter pour traîner yo par devant autorité de justice yo. Mais si vous refusez d'obtempérer à l'ordre de la police Bayou, vous rentrez dans l'échange de tir avec la police, il y a possibilité pour vous t'inviter. Voilà. Population, porte-parole, t'as aimé qu'on est. Non, policiers, soit blessés, soit arrêtés, soit mourus, qui vont être affectés et qui gradient. Très bien. Pas oublier tout à l'heure, moi, je saute par l'eau, moi, je dis moi, qu'en milieu de journée, ou bien dans les heures à venir, il est possible pour intervenir. Et sou wè nou dou gen policier qui mouri, gen policier qui arrêté, c'est pas non yo ka pral rete un sujet tabou parce que nous c'est une institution dans pays a qui pas jamais tolérer mauvais grain nan ran nou. Okay. Et si nous poko baili, c'est pas parce que nous pas baili, mais gen bagay qui mérite plus éclairci et n'a ka fè ça en temps et lieu. Scoop. Gen non yo bay qui a travaillé dans pénitentiaire, qui était lié à gros fanfan ou fanfan envahi. Policier ça, son policier qui était dans Solino et qui a travaillé avec envahi déjà dans pénitentiaire. Nèg ça, parent a crié, li mouri. Est-ce que nous déjà a enquêté sur lui? Et heureusement, nous avons une situation côté tout le monde connaît tout bagaille pratiquement qui a passé en dans le pays. Et inspecteur qui était affecté dans l'épine, et il y a plusieurs plaintes qui étaient déjà déposées contre lui déjà dans le DCPJ, il y a plusieurs enquêtes qui t'ont mené déjà,
et même après monsieur fin tombé et dans opération Kaili al fouillé encore yo joine l'autre zam là Kaili encore avec plusieurs munitions dans commune Port-au-Prince. Mm-hmm. Bon, n'a gain pour nous bailler plus précision et c'est vrai que en pile monde a dit des informations mais informations officielles yo en temps et lieu James Oulangari n'a gain pour nous communiquer. Sous permet point Gary pour me faire un petit râler tout petit par rapport à journaliste yo. On connaît et relation rapport la police avec journaliste. Mais moi grand pile confrère journaliste, grand pile monde m'a entendu qu'a parler de indignation yo. Moi-même moi pas misé sur journaliste, moi dis c'est deux bandits. C'est deux bandits et deux bandits ça yo t'es capable de sortir dans n'importe quelle institution. Tout comme Léon police est choisi faire des bagages qui pas ça, c'est un bandit. Claire. Et il faut nous reler comme tel. Mm-hmm. Monsieur ça qui travaille dans la presse là, yo pas bandi les ou gen micro dans main yo, mais quand c'est des armes illégales qui dans main, c'est des bandits. Parce que personne pas doit sentir yo indigné pour ça, égaré. Qu'est-ce qui différencie l'homme honnête et le vagabond? Nous sommes tous exposés au même risque. Ça bandi a fait à monde de bien Raphaël tout s'il veut faire. Mais ça qui fait différence c'est le passage à l'acte. Négla, à un moment de la durée, il décide, il dit, c'est ça pour le faire. Il connaît les valeurs sociales, il connaît les normes sociales, il connaît les interdits à ne pas violer. Il connaît ça le faire, il est répréhensible. Il connaît ça, mais c'est ça le décide de faire. Et l'elle fait ça, quel que soit le secteur appartenant, mon de bien, yo, au lieu de indigné, il doit être content parce qu'il aurait son mauvais grain dans le rang. Yo. Tout bandit est bandit. Et moi, je dis ça, je dis pour tout secteur d'activité en dans la société, yes, incluant la police. Je souhaite faire cette précision. Ça. Pour mon de bien, qui a fait un métier, gros métier, ça, qui est dans les médias, pour mon de bien, qui a fait un métier, qui a un pile honneur, ça, moi, je voulais dire pour ne pas indigné. Au contraire, je dois dire la police merci pour moi-même, son conseil en tout cas. Je dois dire société à merci. Parce que à cause de M. Sayo, les paléotécas, journalistes, les médias, ça ou pas dit, c'est deux vagabonds, ou bien un groupe vagabond qui a posé des actions qui dénaturent à sale profession ça. Et quand nous avons possibilité pour nous retirer ça, donc, son bon bagage. Voilà. Et pour de parole. Voilà. Nous sommes tendés. Michel Ange jeune qui lui-même il t'a bail détail et journée jodi en faut nous pas peur reler voler à voler gang nan gang drogue dealer à drogue dealer et président gang nan président gang bandi légal yo bandi légal pour comprendre faut nous pas peur reler parrain tonton et frère gang cousin gang faut nous pas peur ba yo titre ba yo qualité statut yo gagnant faut nous pas peur parce que si journée jodi nous n'avons pas cassé feuille couvrir ça toujours. Nous n'avons pas perdu vérité à Jean lié à toujours. Nous, qui ça qui arrive? Parce que c'est dans ça que nous jouons en pile fois. Nous jouons dans l'émotion. Nous jouons sous l'émotion. Nous, et puis nous finissons faire nous mal. Et puis après, pour nous attendre. Nous prenons l'attention à ce que nous prenons pardonner. Nous prenons. Non! Non! Si nous sommes un bandit, nous sommes un bandit. Et tout bandit qui est placé, ou sont bon monde, ou sont bon monde. Ou son mauvais jour, son mauvais jour, et puis la vie continue parce que pays n'a pas arrêté côté lié à jour et jeudi. Pays n'a pas arrêté côté lié à. Moi, c'est ça qui fait m'attendre moins que. Et c'est là nous prenons l'Ouest Nègre une volonté tout. Parce que je me songe tout récemment, je posé ministre justice quand on circule question. Les salte dans l'émission dans le point. Yo t'a posé la question, yo t'a dit est-ce que gagné des documents que États-Unis ou bien Canada remettent dans question sanction yo t'a prend contre personnalité yo. Li même li dit depuis l'elle rentré dans le ministère de la justice, il pas rien comme document. Donc l'état haïtien pas ca poursuivre yo. Donc nous pas des documents, et bien OK. Al commencer mander documents. Si nous voulons ba la République au coûte même vrai, commencer tracer son exemple. Qui bagay ou t'es président de la République, ou t'es ministre, ou t'es ancien premier ministre, ou t'es ancien sénateur député, nous t'es dans gang, dans financer gang, dans qui cause ça? Et puis nèg sa yo fè gros gorge, yo bat l'estomac yo.
ou pas qu'à barrer, ou pas qu'à parler mal de yo, ou pas qu'à critiquer yo. Bon, j'aime comme militant, partisan, pas bon, ici toujours un médi. Eh bien, c'est question politique. Et moun qui parle, ouais. On y a un bon fait, je cherche à vous dire persécution politique contre Matéli. Matéli Viera, tri, en tout cas. On ne sait. Gardez au pays, non, papa. On ne sait. Nous gagnons un dossier extrêmement important. Gagne une bonne nouvelle, oui. Gagne une bonne nouvelle parce que nous gagnons un met là et gagnons pour première fois. Et magistrat Luma Demetrius, même magistrat Saptevle, boycotté canal nan men nou au profit de la République Dominicaine, eh bien, magistrat li décide prendre gros décision pour marcher Fontalia haïtien, pour marcher Wanamet la, pour l'ouvrir, pour marcher yo, rentrer à l'van nan marché. En nou a suivi ensemble avec moi, et qui j'en situation li même, li tap évolué nan Wanamet. Voilà, je ne peux pas constater ensemble avec vous, c'est la mairie qui a crasé ensemble espace que nous avons fait en dehors de marché Fontalière. Et bien, la mairie qui prend une initiative ce matin pour permettre que nous avons entré dans marché Fontalière, nous sommes obligés d'utiliser le matériel pour capable craser tout côté que nous avons fait, qui était dehors marché. Et bien, ça semble que c'est un cadre qui va le craser là. On fait ça ensemble avec vous. Voilà. Quand on dit que le magistrat est même sur place, je ne vais pas constater ça avec le magistrat est même sur place. Quand on fait un déplacement pour capable d'écraser le tunnel, voilà. Et la mairie lui-même qui prend son sacrifice définitivement pour capable permettre de rentrer dans le marché pour aller là. Voilà, ça a gardé et ça a lâché mes idées, ça c'est magistrat. Voilà, ça c'est qui fait la même. Voilà. 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 Eh bien voilà. Comme quand on constate ensemble avec là nous dans marché Fontalière de Wanamet. Et justement, dans jour passé au pas tout le monde dans marché là. Mais il faut que nous disions que je dis l'intérêt, lorsque le magistrat a fait une décision pour faire les gens qui étaient dans la rue entrer, eh bien, il faut que nous disions que c'est un marché qui commençait à grandir. C'est un marché qui commençait à full. Je suis capable de dire avec nous. C'est un marché qui commençait à faire l'activité, tout. Je suis capable de constater l'ensemble avec nous. Eh bien, il faut que nous disions que c'est un marché qui était en inauguré depuis 2020. Je crois, depuis 2020. Mais il va déjà fonctionner sous nous. Eh bien, je dis à là. Donc nous disons que l'organisation commerçante ou même des points d'initiative ont été ouverts. Et bien, le magistrat a maintenant lui-même qui fait suivi, qui fait que nous sortons dans l'arrière et pour capable entrer dans le marché. Et donc nous disons que j'en ai constaté l'ensemble avec nous, c'est en pile activité. Donc nous disons que la majorité marchande, eux-mêmes, qui vient d'entrer dans le marché frontalier là, parce que le magistrat lui-même n'est pas d'accord, aucun monde qui est dans la rue ou bien dehors marché là. Eh bien, je ne peux pas constater l'ensemble avec nous, c'est comme ça qu'on s'est allé au niveau frontière. Il faut que nous disions qu'il y a un bel marché comme ça. Côté que en plus, le monde dans la population n'a pas voulu attendre, il n'a pas voulu entrer là-dedans. Et l'État, lui-même, il n'a pas voulu l'ouvrir. Et il y a un bel marché comme ça depuis plusieurs années. Tandis que le marché dominicain, lui-même, qui est en face de nous, qui a fonctionné, il faut que nous disions que chaque jour, il y a un marché, alors que nous-mêmes, nous pas gagner marché pas nous. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que nous avons dit. N'importe évolution qui vient, nous-mêmes nous sur place pour nous capables de vivre toute évolution qui vient à propos des marchés frontaliers ou à la main. Eh bien, en allant et propos tchèque. Et citoyen, il y a un cadre dans le marché avec le magistrat lui-même. Et bien, ensuite, nous allons continuer à parler avec le magistrat.
nous avons un processus pour nous retirer tout caillou qui pouvait sur voie publique là. Et c'est un cartel lié. Moi-même, je connais un conteneur ça qui met là. Et c'est le président Jovenel qui a demandé pour me mettre là temporairement pour me retrouver. Après ça, l'autre, c'est le monde qui rentre dans le monde, mettez-le là. Donc, vous voyez, actuellement, vous ne pouvez pas parler là. J'ai deux activités, ça, vous faites dans la mairie, vous mettez ma conflit avec Maïssa Paré. Là, si vous avez un grand monde, Maïssa a pris un monde, vous mettez mon monde là. T'es charge. Donc, Maïssa, est-ce qu'on va jouer une difficulté matin dans l'opération ça, ou vous avez réussi sans faire? Nous, sur certains pas, j'aime une opération qui fait sans pas de douleur. Donc, ma vie, j'avais une activité, ça, vous parce que. Je ne sais pas si je suis dans la vie, j'accepte que je n'ai pas besoin de fruits pour casser. Comment est-ce que tu as fait la mairie? Je ne sais pas si je suis dans la mairie, parce que je suis dans la mairie, je suis dans la mairie. Mais le conseil a toujours existé? Oui, le conseil a capable d'exister, mais si tu n'as pas des outils, tu n'as pas des outils pour travailler. Dans le moment là, nous n'avons pas imprimé mes attestation de résidence. Mais nous n'avons pas acheté ça entre nous. Parce que le cartel a un problème. Tout à l'heure, moins candidat. En dans un cartel, même quand il y a un mot de tout le monde. Si c'est moi qui t'a dit, je vais mettre seul, il n'y a pas de résultat pays. Mais puis c'est ce cartel, depuis la décision, il n'y a pas de profit à ce soir, il faut écouter. Donc, vous pensez là, il a supposé, ma chère supposé rester là? Le blochon l'argent ou on n'y pas fait sous place là. Pendant ce temps, quand on va chercher 50 gouttes pour petit manger, c'est là où ils viennent craser, c'est marché. Ils ont besoin de contrôle, c'est l'argent, ils ont besoin de contrôle, les parents encore. On va en bonne. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça qui fait là? Et pas parce que je ne suis pas d'accord. Pour craser, vous avez nous côté pour nous stabiliser, pour nous chercher manger, pour petit manger. Non, mais si tout le monde entre dans le marché frontalier. D'accord. Si tout le monde entre, mais qui peut voir ce qui fait dans le marché frontalier. Même place, l'eau entre dedans. Je dis comme ça, oh, chaque monde est de ton côté, si on monde vient réclamer, la vie avec un batch, après ça, il y a ben tout le monde place, et pas comme ça, va y aller. Vous avez place en dedans? Non, moi, mes mécaniques, je ne vais pas manger, je ne vais pas bonbon, je ne vais pas moto à brancher. Je ne vais pas raison pour marcher dans le marché qui va manger. On va comprendre. Comme il y a place, même. Il y a un problème pour tourner la case. On va comprendre. Même pas raison. Si ma branche est moto pour marcher dans la mi-temps, mon cap veut manger. C'est parce que nous, on a fait. Pantol, bois, ça, c'est ça que nous demandons. Est-ce que tu as une place dans le marché? Oui, là, il y a une place. Moi, il y a un travail. Ah, ok. C'est l'autre travail. Oui, il y a un travail. Donc, est-ce pas ça, la mairie, c'est ça? Oui, ça aussi.
Et ça veut dire pour lever tes lits. Donc vous pensez qu'il faut de préparation qui t'a supposé faire bien avant que vous décasez l'espace. Quand même. Donc c'est gens ça qu'il faut pas d'accord. On va comprendre. Tout normal. On va faire chaque monde en côté, même les CPE a fait mon payer. Il y a beaucoup de chaque monde en côté. On va comprendre pour nous stabiliser. Les gens nous côté soleil pas bel problème. Les bas dans la boue et puis tout la paix côté le chita. Bon bon. N'a dit bon. Qui laisse mon gars dit mon gars là-dedans. Mon gars là-dedans sans rendre compte. Là où ils vendent, tout le monde a regardé l'autre, là où ça on sorti là encore. On va comprendre. Si notre traversée, il n'y a pas de problème pour traverser, nous avons des de chefs qui bloquent l'espace ça, là. Tout le monde fait en dedans. Oui. Ça veut dire l'espace ça, pas de circulation, tout le monde fait ça. Bon, il n'y a pas fait ça, il n'y a pas de glomètre, et puis tout le monde vient de bagaille. Beaucoup, je dis à la, il n'y a pas de monde qui tape taper sur l'eau. Son problème il est là, oui. Et mon école déjà ouverte, à qui on va payer l'école là. Donc, causez en pile. Est-ce que nous sommes prêts à nous bien pour nous entendre? Des gens qui ont même revendication, là nous sommes gardés, dames qui a vendu à l'ido, li pas pral vendre dans ma chair parce que si là vendre dans ma chair, client pas venir jeune. Monsieur Adou, récemment le monde dans ma chair, il n'a pas gardé l'autre danger, il n'a pas vendre. Mais, moun yo pa comprenn gros marché qui construit pour nous vendre c'est dans marché à pour nous pour nous vendre si autorité yo prend responsabilité yo lever tout moun le rive bon marché dominicain le rive bon frontière là yo pa joine moun ka vin acheter à client ka vin acheter al pa joine nos pipiri ta terre qui côté le connaît gen marché le pral dans marché al pral vin acheter dans marché à. Moun yo mette nan tête yo si yo pa rete, si yo al nan marché a yo pa vend, c'est bon marché dominicain. Fòk yo vin pran coup de bâton nan men dominicain. Fòk yo al pran humiliation nan men dominicain. Fòk dominicain al choute bouda yo a coup de bot, fòk yo al crache sou yo. C'est ça moun yo mette nan tête yo, c'est ça ka fè yo vend. Fòk yo bò la rue a nan bouche danger a, les camions a passé kabote yo. On marché ouvri. Ou gen place nan marché a? Ou bien pour qu'on gagne place, faire processus pour gagner place. Mais non, yo dou yo pas vendre. Machin gen mentalité ça même depuis yo pas bon la ria, yo pas chita bon la ria, yo dou yo pas vendre. Fok non, ça sont très bonnes décisions, très bonnes mesures que magistrat prend. Nous tout temps nous qu'on a reproché, li pas fait rien, il pas prend aucune décision, mais là là yo décide ouvrir marché a, fok marché a fonctionner, al vendre dans marché a. Ça veut dire nous moun nou nan met. Nous a moun yo, c'est pas tout moun yo qui te cœur que marché a ouvri que marché a fermé, c'est nous même k'ap suiv. C'est nous même qui dans diaspora, c'est haïtien l'autre côté qui inquiété. Qui inquiété du fait que ou bon bel marché qui là, pendant dominicain a humilié nous pral coincé mettre moun dans marché dominicain mais pas nous allons quitter le fermé. Et nous te ouais importance pour marché d'abonne, pour marché wana mettre faut ali a ouvert oui. Et nous te ouais importance marché a mais yo même yo parol non. Yo préféré al chita al pran coup de botte dominicain oui. Haïtien l'aime dit nous c'est haïtien problème pays n'a dit même menti. OK. Haïtien problème pays. Et nous pral fini émission hein, mais avant nous aller nous gagne arabe blanc qui lui même li font parler. Et li important pour nous al tande pour nous al garder ensemble avec moi qui ça arabe blanc porter comme message et pour pays hein, qui ça le porter comme message pour peuple haïtien. Et comme ça, nous allons comprendre plus bien que journée de dire là, il y a bataille paysan et j'ai gari koni décider mener bak paysan. C'est nous tous ensemble qui pour prendre responsabilité, nous qui pour faire bataille. Donc, on va attendre bien rapide, intervention, Marcelin Myotil, Diarab. L'écrit télévisé, nous saluons le peuple haïtien en général à travers le monde là, qui était toujours campé au champ de bataille. Qui t'a demandé libération arabe sur toutes les réseaux sociaux. Nous saluons tout, chaque grain policier et policière, depuis la première arrestation, 12 février 2024, pour arriver dans la libération, 13 août 2024. Pas de jambes jouen, yon ken mauvais accueil, bon côté policier et policière. Yo. En guise, m'te jouen protection en bas main. Yo. Mais par contre, bataille arabe t'a mené en tout, c'est pour une bataille personnelle, c'était une bataille pour la vie meilleure, pour tout haïtien haïtienne à travers le monde. Je dis,
même si nous connaissons force pays reposé sous la diaspora haïtienne, mais plus gros ennemi oligarque ici, plus gros ennemi politicien, c'est la diaspora. Parce que yo la diaspora, c'est lui-même qui prend la 50 ans. Mais quand il s'agit, diaspora a besoin de venir la famille. Diaspora a besoin. Vin l'habitation, ville jette un coup de l'eau, yo bal barrière. En mai, nous connaissons dans nos diaspora haïtienne, et 7 juillet 2024, là, arabe t'es allé récupérer ça devant Kay président Jovenel Moïse. Non, non, Chanel Moun a fait bon TV. Non, non, la diaspora haïtienne. En bé, si groupe oligarchia, yo te mette antenne, faut qu'arabe arrête, faut qu'arabe des barreaux, faut qu'arabe pas jamais jeune liberté, parce que arabe l'elle ti morceau liberté, li panique oligarchia, li panique ti groupe assassin criminel avec yo. Jodi a, nous un scandale dans la République. Côté nous, nan coulev 9 têtes là, 9 gangs, 9 assassins, 9 kidnappés, 9 gros volés. En bien journée jodi a, yo kembe yo kap négocier 100 millions de goud à chaque grain pour yo ka kembe directeur général. Jodi a, nous gen Bessap qui derrière barreau. Nous gen un paquet militant politique qui derrière barreau nan Okay, nan tout 10 départements. Nous gagnen yon on série de ti haïtien haïtienne tête cana qui derrière barreau. Deske yo pa gen relé, yo pa gen répond, pa gen personne qui jam parler pour yo. C'est peut-être ça. Deuxième prison, moi pas prendre comme un vainqueur, vécu. Moi prendre comme un vainqueur parce que gen bagay mal prendre dans prison pour me porter vini ba nous dehors. Parce que là n'a regardé yon petite sorette là dans prison. Avocat, même si tu as dit, ou avocat le campé pour lui, regardez, avocat pas gagne des bagages là. Fait la font l'argent après ça le quitte. Moi me connais. Moi même en tant que militaire cap milité, moi son victime. Moi son victime en bas main quelqu'un avocat ta quoi elle remis. Nous connais qui te prend dossier arabe là pour faire dividal politique lui, l'elle fin ramasser capital l'argent, lui dit, il fait conférence sans parler lui, lui dit laver mel dans dossier arabe là, il pas dans dossier arabe encore. Pour qui ça? Parce qu'elle gagne gros pression politique sous dol pour te retirer col dans dossier. Mais arabe go gagne bagaille là Kyle. Arabe pas jamais dérouté. Tout marron yo te dit arabe dans marron, arabe parler, ça doit parler. Arabe pas marron pour personne. C'est pour tête ça nous dit tout est temps bon Dieu la vie a. Ba nous souffre, n'a continuer goumen au champ de bataille. Je dis à travers les réseaux sociaux, il pile, moun kap di, oui, arabe trahi, arabe a jwenn gari koni, arabe dit, il va aller jwenn gari koni, il va aller bagay. Bam di nou bagay. Opposition pas métier. Opposition pas un outil de métier. Cette caoutchouc a bon métier. Je dis à nous, tout connaît arabe, c'est boule, le boule caoutchouc, nan mounda, oligarchia, nan mounda, gang aversio. Mais bam di nou bagay, pour qui est arabe de bataille? Pour moi, Jean Chalou, de bataille. Pour Claude Joseph, pour Fomi Lavalas, pour PHTK et pour Yom Dab Bataille. Mais qui est-ce qui est sur table? Est-ce que le peuple est sur table? Justice Jovenel, en pile, volé avec politicien, te fait pause, te pour Claude Joseph, fait pause à demander justice pour Jovenel. Est-ce que pendant la négociation, ce gâteau par là, est-ce qu'elle mette justice Jovenel sur table? Peuple Matissan, peuple Grand Sud, la besoin de passer dans Matissan. Est-ce que Claude Joseph rivé pour te dire oui, faut que Grand Sud la débloquer? Jamais. Là, Claude Joseph te dit nous, te rivé devant Koni, lui dit c'est lui qui te voye à Ariel Allé. Elle compte ça le tap dit. Parce que tu l'as pris te dit, premier machin balle dans le pays, il y a Claude Joseph. Moun qui vendent plus balle, plus zame, il y a Claude Joseph. Je dis, je ne prends pas pour tu l'as pris, je ne prends pas pour Bougoy, je ne prends pas pour Chrisla, je ne prends pas pour barbecue. Mais pas de yon non avec ça. Ce n'est pas nèg politique qui vend yo balle, qui vend yo zame. Pas gen youn nan nèg sa yo la, c'est pas nèg politique qui pote bal, qui pote zam nan quartier populaire. Jodi a nou pa wè, depuis son haïtien kap goumen pou bien net pou la vie meilleur, li derrière ba ou. Depuis 7 février 2024 la, y a assassiné magistrat Normi Christian Normil nan Pétionville. Li assassiné 7 nèg Bessap pou nou et puis il prend 4 messieurs dames, messieurs youn nan Bessap yo. Li mete yo derrière ba ou. Je dis à qui j'en prends à la pral sentil pendant que je suis en prison, qui est là,
c'est état de santé. Monsieur Bessapio détérioré. Gagné là-dedans, qui a craché sang, qui est en TB, par tuberculose. Teriel Telis. Prisonnier, yo dit, pour me dire. Je ne vais pas acheter figu Teriel. Mais là, ils font des choses. Sous mes yeux, quand côté Teriel, il est fanatique à l'an prison. Ou après, côté Teriel Telis, il est fanatique. Depuis le poil fait 5 ans et demi, tout le monde s'est tiré à Joyo pour mettre dans les oreilles pour entendre Teriel. Est-ce que Teriel ne peut pas dire un mot pour lui? De Bao. Comment est-ce que les détentions préventives prolongées? Qu'est-ce que les prisons? Évasion en ta fait, yo pas capable de sauver, yo pas capable d'évacuer, sans pas capable de le cacher. Même si malheureux, malheureux, ça yo, yo prend le boue yo, dans semi-col. Semi-col ça, c'est côté tout mi-cob rete, 112 jeunes garçons, jeunes femmes, à coquiller. Même je remets tes garçons yo, à coquiller, et qu'on sa femme yo, à coquiller. On sait que les petits mouns yo prennent à l'image, yo demande yo pour un tel, yo pas avec nos zones, yo pas chachon bandit, yo demande yo pour un tel desque. Si moun nan dit pas qu'on est, yo prend le boue yo. Je dis à si je suis sorti là, je ne vais pas parler de l'état, je suis dans la prison Saint-Michel. Je dis à Nega Xamio, attendez bien. Là, nous prenons la rue, nous crasons, nous brisons. Là, nous prenons la rue, c'est boulé, nous boulons, même petit caille, malheureux, malheureuse. Tandis que Frenak c'est nous qui sommes en prison. Frenak c'est nous qui sommes là, qui sommes en enfer. Nous ne pouvons pas nous prendre. Mais nous préférons craser caille petite soirée, pareil nous. Est-ce que c'est caille André Michel là, le boulé? Est-ce que c'est Kay Majori Michel qui est Delma 24? Est-ce que c'est Kay Gérald Gilles qui est Delma 24, Delma 18, Solino? Ce n'est pas Kay. Je dis à ma parler avec Barbecue qui se frème. Si la pli nous se frème, je toujours dit nous ça. Parce qu'avant, je me saisis, okay. Moi, Teriel te dit Barbecue comme frère. Il n'est pas là avant comme frère. Je ne sais pas quoi Teriel en face nous vraiment vrai. Parce que je dis à, je paye la sécurité, Teriel va faire vieux ou elle a fait là, non? Jou pays a gen stabilité, pas gen coup de balle qui a pété pour Teriel a parlé, mais coup de balle en pile moun mouri, en pile moun mouri, même Jaline Joseph. Ou pas que jeune Teriel fait pile pil view ça yo. Dans l'autre pays yo, gen problème de sécurité, mais yo pas vendre image yo comme ça. Jodi a m'a demandé à tout confrère moi yo, lever campé pour nous contre impunité. Lever campé pour pile frère, soeur nous qui derrière barreau dans prison Saint-Michel. Chaque jour, il y a mais jour yo reçu prendre yo mené l'hôpital tout mouri. Est-ce que nous bagaille? Yo retane c'est là état de santé pas bon dit tout, c'est là ça y a couru avec l'hôpital tout mouri. Moi même pendant mandat prison, il y a des femmes qui mouri. Ça te fait mouri. État de santé yo critique, il y a prétendre c'est là yo pas bon dit tout. Yo t'a prendre couru avec yo qui t'en mouri. Moi même si me vinn là, moi d'ailleurs, moi j'ai un petit morceau liberté. Moi pas parler pour yo, la nature a levé contre moi. C'est peut-être ça mandé chaque grain haïtien. Levez campé pour moun kap di arabe à joindre pouvoir. Bon, dis nous bagay. De nos jours là, PM Gary koni pa ka di arabe accepte rien avec lui, qui comme si yon partage mon so gâteau. Moi parle avec Max Koni. Moi dis, moi prêt, moi disponible. Si yon vle mettre sécurité dans le pays ya. Premier point qui doit manger, c'est côté yon di ki territoire perdu yo. PM Gary Koni, moun kap djou pa gen dialogue la, se yon kap bay balak zam oui. Ah, sou pa kon sam djou sa. Pa gen yon mab nan konsey la, pa gen groupe gang en ba men. Pendant yon djou pa dialogue ya, et ou pa tombe dans tout. Ou te pran toute force ki gen nan monde la, vin na, se Haïtien ka retire pays à côté li la. A dialogue. Toute force ki gen nan monde la, vin mette la pou e, se pa mou yon mou yon pralé. Bout te papa de saline nan, li pa fait. Pour blanc là, il pas fait pour force étrangère, mais il était fait pour nous même les haïtiens. Si nous pas mettre tête nous ensemble, américain, Canada, la France, yo pas innocence dans ça qu'a fait là. Qui a fait américain fin craser bouteille là, qu'on y a c'est lui qui a proposé nous qui force qui pour venir sous bouteille papa de saline là. Je dis nous aider pour là aussi ça. M'a goumé longtemps n'a demandé là aussi qui ça là aussi dit pour nous. N'a pas bouche nous. Yo dit nous li tout près nous. Pour qui ça pas venir la terre tout bon vrai. Hein? À quoi président Jovenel de signer avec la Russie? Pour qui ça la Russie va atterrir? Hein? Je dis à la, tout ghetto yo fin krasé, tout quartier populaire yo fin krasé, tandis que Yabdou pa gen dialogue. Gen malere nan ghetto, là nan ghetto ça là, sou pa gen 20 000 dollars pour faire mon tout toilette, non? Et gen pile propriétaire, moi pral bataille contre l'autre semaine, non? Deske yo moun nan koui? Deske yo moun nan koui? Un petit chèm kayote qu'on a fermé 25 000 goud, yo monte 100 000 goud. Et pas voler pour voir moun nan l'en voler? Je vais aller pour vous aller. Si je suis en train de faire 25 000 gouttes là, dès que vous avez un problème dans le moment, vous profitez, ou faites 100 000 gouttes. Laissez ça qui ça le fait. L'obligé de coucher en bandit pour faire 100 000 gouttes là. Pour nous parler de bandit à malala, bandit à l'IP, gloire, il y a tout le bagaille pour une série de malheureux et malheureuses.
ap jan bagay bandi, c'est l'État qui pour prendre engagement pour dire bon fait logement sociaux, bon rive sur ça pas capable yo et puis pour bandi a pas gain place dans la société pour louer ses travail pour le chercher. Je dis à mon m'a dit bandi, et Gérald Jules Salier. Hein? Et moi Jean Charles Salier qui t'a dit nous boulé, crasé ambassade américaine. Je dis à qui ça yo n'a bien changé, arabe ta bataille pour yo. Je dis à moi tout le monde a dit rapide, a dit oui, arabe a joué koni. Mande koni qui ça arabe négocie avec. Arabe dit travail Jovenel Moïse yo. Centrale électrique Kafou, faut qu'il inaugure. Avant de paraître de pouvoir ça, faut moi côté l'hôpital au Fatma. Nan port de paix, li inauguré. Côté moi centrale électrique 5 Philomène. Côté moi Jean Charles toute la sainte journée nan capable faire moun yo prend la rue. Mais centrale électrique là j'en parler pour lui. Centrale électrique 5 Philomène, faut qu'il inaugure. Tout travail président Jovenel Moïse. Depuis moi, Gary Cognac, moi-même, m'a porté comme tout petit, mal aidé inauguré. Mais après, on va quand même qu'on va venir dire, même j'avais un mètre de l'eau, un mètre de BM Gary Cognac. À la barre comme ça, 1000 gouttes pas fait nous marcher. À la barre comme ça. Après, on va laguer 1000 gouttes, à terre, vous avez 1000 gouttes, pour aller venir dire, oui, vive Gary Cognac. Non, Gary Cognac est normal. Ou me rendre mon service, comment on doit m'élever. Ou tant de voix, population, tapement de libération arabe, ou respecter. Voir peuple là, c'est normal pour moi, monsieur. Mais pendant après, monsieur, là, puis gros pensé, à la bral koui, pral blanc baye moun bal tête pour, à la papa t'en a logique sa yo, à la papa t'en a logique, pour aller le vivre gari koni pendant que vous faites même 0 sur 10. C'est goumé pour goumé, pour me faire faire 1 sur 10. Mais pendant, ou à 0 là pour moi même, ou à 0 PM. Pour vous faire, pour moi, quand on commence à faire territoire perdu ou récupéré, quand on commence à rien, tout ça, qui pour mettre la paix dans le pays? Je dis, le pays a besoin de dialogue national pour nous faire une conférence nationale. Même j'ai avec Tineb DP, te dit, c'est ça pour faire. Mais avant qu'on ait une propagande, à l'air force, mais qu'on a crié là au grand goût. Donc, le grand goût là. Et ma pense nous c'est à qui c'est nous n'en sommes Bessapio, parce que là où la façon faut Bessapio de libérer, parce que l'état santé est très critique en prison. Et voilà, nous sommes tendés arabes blancs qui t'a parlé. Oui, moi, je me fais, c'est que les arabes blancs, bon, ils connaissent. Et c'est même arabes à nous t'aider avant, c'est même lui-même nous rejoignent là, Gouaja bon. Gouaja bon. Arabes pas malades dans Gouaja encore. Aïe, tu comprends? Aïe, tu blagues, n'a fait sur arabes là. Bon, bref. Et donc, j'en nous a constaté là. Arabe blanc li déclaré, li fait qu'on est rete attaché avec bataille li, li rete attaché avec mouvement la mené pour changer condition la vie moun, li rete attaché avec bataille la mené pour pi bon condition la vie pour citoyen haïtien yo, pour haïtien ka vive nan misère nan ghetto nan quartier populaire yo, li rete attaché avec bataille pour yon lot Haïti. Donc cause yo en pile oui, mais gen moun ki pa comprend arabe blanc nan démarche. Et récemment m'tap tande Rosemont Jean et li pa konta arabe blanc mais tout li gagne position par rapport avec choix arabe blanc. Ça que m'apprécie parce que tout moun grand moun Jean moun fè route ki li estime k'ap bon pou li. Li pa comme si tant kou l'autre moun ki te ka kampé joure arabe blanc, comprenn? Parce que arabe c'était compagnon de combat li et te cavalier Paul Kali. Moun nan ka toujou pou on route ou estime ki kontre a conviction ou, mais ou respecte choual. Li nan route li, ou nan route ou. Ou a fait bataille pa ou, la fait bataille pal, n'avance, et puis ça s'arrête là. Donc ça montre que Rosemont Jean li fait preuve de respect avant tout bagay. Nou pa di plus, c'est là nan mette en bout dans l'émission pour aujourd'hui. Hein? C'est un véritable plaisir pour nous te pote information si la yo pou ou. Rete connecté à channel là, rendez-vous en kase dans l'autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, le machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.